Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 19 d'Assassin's Creed et c'est 77 Cabal. Donc on s'en était arrêté, on avait tué le mec au galion, un truc du jour. Je sais pas trop comment on dit. Ça s'écrit Chamberlain, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Mais... Et là, je m'en vais directement à la mission suivante. Capturer le messager. Avant de m'en aller directement à la mission suivante, et pour pas me faire avoir, si jamais il y a un truc comme ça dans une mission, on va aller refaire les stocks de munitions. On va essayer de capturer le messager, et à un moment donné, ça me ferait qu'on ait un peu d'argent. Bon bah je l'ai plus. Il s'est barré. Hop. Tu me chagues. Alors j'ai pas beaucoup d'argent parce que j'ai dépensé pas mal dans les œuvres d'art. Non j'ai dans le bateau. Ça représente quand même déjà une belle somme, tout ce que j'ai balancé dans le bateau. Hop, et bon, fini. Donc, je pense que bientôt, je vais aussi apprendre à utiliser une dague à cordes. Je sais pas quand. Je sais pas si ça se débloque à la fin, ou dans le scénario. C'est juste que je l'ai vu pas mal de fois dans l'inventaire et tout, mais j'ai jamais pu l'apprendre. Alors, faut savoir, c'est la dague à corde a apparu dans Assassin's Creed 3 aussi. Un bel héritage. Je trouve que c'est pas mal de pouvoir prendre les mecs aux branches et tout. C'est bien fichu. Voyez-vous? Donc là, on va se préparer à s'échapper. Je suppose qu'il faut monter dans ce bateau. Ou alors dans un autre bateau. Ouais, non, c'est vrai. Après. Le commodore est mort, t'es pas encore prêt? Presque. On a un problème avec le galion à cause de quelques... malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes. Lâche-moi, malade. Tu m'as assez cogné. Edward, je te disais qu'une escouade de homards s'est installée sur notre galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Hey, ils appellent les homards. C'est original. C'est... Bon, c'est la première fois que j'entends ça, mais... Oh, c'est un style, hein. Ça, par contre, ça, ce temps de chargement, ici, ça a toujours été dans tous les Assassin's Creed. Absolument tous. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, ça s'est réduit. Le temps de... Alors, attendez, couler. Trois navires mortiers, couler un navire à l'aide de barils. Ok. Ça me semble faisable. Les Anglais nous ont repérés. Regarde. Nous avons posté vite. Allez, hop, ça fait un. À ton signal, capitaine. Deux. Oh, je l'ai fait. Bon sang, c'est raté. Ah, il venait vers moi, ça. Hop, et voilà. Impeccable. Donc, tu vas faire. Et toi, t'es déjà mort. Hop. Voilà.
Easy. Bon, j'ai les deux. Oui. Bon, c'était faisable. Là-bas, il y a encore des bateaux. Hein. Ouais, ouais, c'est pire qu'un blocus qu'ils te font, ouais. Ah, ils sont en dehors, ok. Faut que je reste avec lui. Vite. Je me suis trompé d'endroit, putain. Mais... Donnez-moi de la toile. Donnez toute la toile. Et merde. Shit. J'espère qu'il faut pas que je recommence. Prière de ne pas me faire recommencer. S'il vous plaît. Et merde. Fuck. Bon, là je reste près du navire. Putain, ça s'est joué à quelques centimètres, je crois. Putain, par rapport à nous, il a un petit bateau. Quoi. Les Anglais nous ont repérés. Regarde. Le vous. Oh, c'est mort. Que des planches. On est bon, là, capitaine, c'est là qu'il faut tirer. Donnez-moi de la vitesse. Larguez le hunier de misaine. Serrez toutes les voiles. C'est mort, toi. Là, capitaine, c'est là qu'il faut tirer. Je vais vous faire péter parce que c'est toujours. Tourne. Non, c'est ça que je... Oh l'enfoiré. C'est ça. Allez, serrez les voiles. Sur l'air. Gardez le grand voile. La grand voile au vent. Déferlez jusqu'au dernier. Putain, autant de terre, c'était facile. Le temps là. Reste près du navire. Maintiens-le à flot. C'est pas possible. Tourne. Envoyez toute la toile en route. Oh, what the fuck. C'est fait def. Oh, toi t'es mort. C'est pas possible, j'arrive pas à y arriver. Putain, je les ai tous suivis du premier coup. Allez, avance. T'es pas sérieux là? Vite! Reste près du navire, maintiens-le à flot! Oh l'ordure! Pourquoi tout à l'heure j'y arrive? Mais... Tout à l'heure j'y arrive du premier coup et là. Ils tirent sur nous! Ils ont touché le navire! Il y a un petit canon! Mais ces hommes rechargent vite! Voilà. Il va exploser. Éloigne-nous d'ici. Merde, tu l'as. Échapper à une explosion. On est passé. Évite la flotte et on sera hors de danger. Ok, j'ai pas demandé si c'est passé. Oh la vache. Forcé. Wow, oui, t'as une quête, ça passe crème. Déjà, il va plus vivre. C'est pas encore gagné. Oui, si, c'est bon. À mon tour.
sortez de la cible. Sur ton ordre. Réduisez la toile. Bah allez, on stay. Je sais pas où il est passé l'autre. Le bateau plein d'explosifs. On a terminé les deux objectifs. Oui, et hop, on stay. Bah il est nulos. Ça va les tenir occupés. Brûlez, bande de chiens! Yeah! Colle-toi ton pardon au cul, gouverneur! À croire qu'ils viennent de faire une prise. ...90%, 100%. Ce qui est chiant, c'est que voilà, il y a plein de personnes qui ont joué au jeu et qui ont mis pendant les missions assez complexes, qui ont mis des mauvaises notes. Ça fait que les développeurs. Salut Kid. T'as manqué une belle flambée. Ouais. Dommage pour Nassau. Et Barbe Noire a quitté le navire. On va s'occuper de Satch. Ben est parti le voir et je m'apprête à le rejoindre. C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique? Ouais. On fait ce qui nous plaît ici, on le fait en prenant notre temps. Nom de Dieu, Edward. Il y a vraiment que l'odeur de l'or qui te titille le nez. Eh, hey, quelle mouche t'a piqué? La réalité, mon ami. La réalité. Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de ce rat décadent. Oh! J'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables. Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont noté mal les missions où ils ont pas réussi. Et donc j'ai lu récemment que, du coup, les développeurs d'Assassin's Creed ont vu ça, et ont dit qu'ils allaient rendre les missions, enfin, en gros, si je résume, les missions seront plus faciles. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, Assassin's Creed n'est pas, n'est pas bien reflété par sa difficulté, disons que, moi, en étant... j'arrive toujours à faire quasiment toujours les deux objectifs secondaires etc en une fois, alors que dans des jeux comme je sais pas, par exemple je vais prendre un exemple, bah tiens par exemple Watchdog, en étant en mode le plus difficile, j'ai vraiment du mal à finir les missions. Il y a des missions que je recommence des dizaines de fois, alors que sur Assassin's Creed voilà quoi, les missions tu les recommences 2-3 fois, encore si tu veux les faire sans te faire repérer quoi. Mais sinon, les missions sont vraiment pas complexes. C'est pas un jeu qui est fait pour complexe, enfin, qui est complexe. Et donc, je pense que la majorité des personnes qui jouent, enfin, moi, de ce que j'en ai ressenti, c'était plutôt des jeunes et souvent des femmes. Enfin, pas des femmes jeunes, hein, mais des femmes de tout âge. Et je pense que ça serait plus marrant de corser un peu l'affaire que de mettre un niveau de difficulté que chacun puisse jouer. J'ai un groupe de filles, et je connais même des filles qui sont très très fortes à ce jeu. Mais voilà quoi, la globalité, c'est vrai que les personnes touchées par ce jeu sont plus les femmes et les personnes assez jeunes. Bon, faut que j'arrête de dire les conneries. Je vais faire un peu du cadeau. Non mais sérieusement, c'est vrai que la plupart des garçons sont intéressés par des Call of Duty. Voilà, le truc dans le genre, pardon. Chacun son style, moi je préfère des jeux comme ça d'aventure que des jeux où t'as juste avancé à tirer.
Même si avant, j'avoue que j'étais accro à ça. Ça a bien changé. Donc on va aller directement à la prochaine mission. Et je suppose qu'on va aller tuer Satch. Satch le prêtre. Enfin, c'est pas réellement un prêtre, mais... Disons que ce qu'il a fait, c'était pas sympa. On a quoi ici? Ah bon, je trouve que le jeu est déjà assez simple pour qu'on le rende encore plus simple que ça, quoi. Voilà la morale de l'histoire. Je pense qu'on va aller hors de la map, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose là où on va. Est-ce que c'est devant l'île ou derrière? C'est derrière l'île, donc on va contourner. Ah, il est beau mon bateau quand même. Il me semble que j'ai fait la coque à 100%. Ah, les prons, ils... Du coup, ils ont mis du bois de... son côté, ça fait plus juste une barre de vent, quoi. Là, c'est vraiment pas mal. Bon, un truc qui me stresse, c'est... les trucs déchirés juste à côté. Bon, mon bateau n'est pas amélioré à 100%, mais... J'en suis pas loin, quoi. La plupart des trucs que je peux pas améliorer, c'est les trucs edit, vu que je les ai pas encore forcément tous débloqués. Allez! Hop! Une petite cinématique, on se retrouve après, les amis. Mettez le cap au nord, les gars! On part chercher ce bon vieux Captain Satch! Lâchement abandonné, Satch. Il est mieux demeurer ici, est-ce qu'il dit. Qu'il crève. Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus. Je maudis cette pourriture. Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway. Il était en or. Mais après ce qui s'est passé à Nassau, je sens que je suis fini. Je partage pas ton avis, Ed. Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face. Tu es toujours à la recherche de ce sage? Ouais. Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Roberts travaillait sur un navire négrier. Le Princess. Tu pourrais chercher par là, le princesse. Merci, Satch. Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc mon petit déjeuner. Garde-nous quelques bouteilles. Ah voilà, on se retrouve hors de la map, donc dans le nord. Ce que je trouve pas mal aussi, c'est l'évolution. Assieds-toi. L'évolution de Kenway. Au fur et à mesure, il change. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, il avait pas de barre ni rien. Et là, plus ça avance, plus il a de la barre, plus il a des cicatrices, etc. Ça, je trouve vraiment ça bien foutu quand même. Donc là, on se retrouve sur la mission qu'on voyait dans le... Il me semble que c'est la mission qu'on voyait dans le gameplay...
Restez là. Tirez sur tout ce qui bouge. Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est souvenu de ma trogue. Je lui ai tranché le gosier avant qu'il ait pu dire un mot. Quelqu'un t'a vu ? Je crois pas. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Il n'y a pas grand chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu sais sur la plage ? Shit. Tuer les gardes. Ah d'accord, faut que je tue les gardes, ok. J'avais pas vu qu'il y avait un objectif. Bon, tant mieux que je sois mort, parce que sinon je vous aurais zappé. Donc ça va y aller à coup de sarbacane, quand même, je pense. Parle-moi un peu d'Edward Teach. Quel genre d'homme ? C'est Teach, monsieur. Du moins, c'est à ce nom qu'il répond. Il est complètement fou. Il n'y a pas plus dément que lui. Au diable, ses initiatives, soit peut-être. Ça fait 3. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Teach aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rhum type, il rajoute une bonne dose de poudre à canon. Ai-je bien entendu ? Il boit de la poudre à canon ? Nice. Pour la galerie. Vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière ? Il a rassemblé une vingtaine de marins sur l'équipage et il nous a enfermés dans la cale pendant qu'il brûlait du soufre et d'autres minéraux écœurants. On est resté assis là comme dans l'une des fosses de l'enfer. Grand Dieu ! Pourquoi a-t-il fait ça ? Il aime mettre son équipage à l'épreuve. Voir à quel point ces hommes sont coriaces. Mais personne n'est aussi coriace que lui. J'ai bien cru y laisser la vie, misérable sauvage. Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Allez, c'est le moment. Vite, envoyez le signal. Et souvenez-vous à jamais. Oui, voilà, c'est bien la mission du gameplay, c'est ce que je pense. Enfer. Ah mais mon pote t'es mort toi. Ça a rien que tu y es là. T'es tué là. Faut pas faire ça, faut pas me faire chier mais... Non mais où? T'as beau avoir un manœuvre, t'es mort. Je te jure que je te fais toi. J'en ai pété des pires que toi. Ouais. Alors, non, je lui bobby. Allez, voilà, je l'aborde. Mais où? Il est vraiment cool, j'allais le laisser partir ou quoi? Je vais essayer de ça. Va. Hop, un grand coup de canon pivot. J'aurais même pas réussi à les voir. Bandai! C'était mort. 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 C'était mort.
survivrez à ce jour, bande de chiens! Allez, je vous attends! T'es mort, je sais pas. C'était un petit point, mais. Encore à la rigueur, lui. Voilà. Toi, tu peux faire le quoi, peut-être. Voilà le chemin! Merde! Je crois que j'avais le pistolet. Je suis désolé, les gars. Oh là, voilà, j'ai confondu. Satch, c'est Où est le Jackdaw? Satch, en fait, c'est le gentil. Et c'est Ernie Gunn, le méchant. J'ai confondu tout à l'heure. C'est... Fuyez vers la haute mer. Oh, t'es pas sérieux. On aurait pu se répéter. Plus je vous fais ça. C'est bien, mais on va fuir là, parce que ce qu'on va faire. Satch, capitaine. On s'en est sorti? Capitaine. Il boit en compagnie du diable. Oh non. Non. Putain, pourquoi ils m'ont pas dit l'objectif optionnel, les gars? Easy Quest, Bon, ben, je la referai vite fait, les amis. En preuve, à la suite. Je suis trop deg. Genre, je l'ai pas vu. J'ai fait. Sur ce, les amis, je vais vous laisser, du coup je vais rajouter la petite preuve à la fin comme je fais d'habitude, normal. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye.